Aujourd'hui, on va parler de l'une des stars de l'industrie pour adultes les plus connues de France, Lisa Del Sierra. Cette fille, elle en a fait du chemin, croyez-moi. Lisa Del Sierra, de son vrai nom Héloïse, est née le 30 août 1985 à Pontoise, en France. Elle a grandi dans la belle région de Paris, et comme beaucoup d'entre nous, elle a connu des hauts et des bas. Mais elle a suivi son propre chemin, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a commencé sa carrière dans le divertissement pour adultes en 2005. Et bordel, on n'oubliera pas ce boulard avant longtemps. Elle a rapidement gagné en notoriété grâce à son charisme et son style unique. Elle est devenue l'une des actrices les plus recherchées de l'industrie. Lisa a joué dans un tas de films pour adultes en France, aux États-Unis et partout dans le monde. Elle est connue pour son énergie, sa personnalité pétillante, et bien sûr, son talent sur grand écran. Elle a été nominée pour de nombreux prix, et elle a même remporté quelques-uns d'entre eux. Mais vous savez, Lisa, elle n'est pas seulement une star du porno. Elle a aussi fait quelques apparitions dans des films non adultes et à la télévision, elle a également participé à High et Fines Herbes avec Roy Enoch, mais bref, ça s'est passé dans un multivers parallèle. Elle a montré qu'elle avait plus d'une corde à son arc. En dehors de sa carrière, Lisa est une passionnée de fitness, et elle partage ses astuces et ses séances d'entraînement sur les réseaux sociaux. Elle adore les animaux et elle est également impliquée dans des causes liées aux droits des animaux.